Bonjour François-Xavier Lacrousse. Bonjour. Je tenais à vous remercier pour cet accueil qui nous a permis de faire un reportage, le mot ne me plaît pas beaucoup, sur cette entreprise que vous avez faite depuis très récente, depuis le mois de septembre, ce centre de musique ancienne de Sauternes, et qui démontre qu'on peut faire de la culture de qualité en milieu rural. Donc je vais vous demander, pour nos téléspectateurs, de vous présenter brièvement. Alors, donc je suis le directeur de ce nouveau centre de musique ancienne Sauternes, qui est né d'une association qui s'appelle les Fils du Tonnerre, qui œuvre, ou essaye d'œuvrer en tout cas, depuis 21 ans maintenant, en Sud-Gironde, pour la promotion, la diffusion de la musique ancienne, du patrimoine et particulièrement de la musique française. Et donc je suis musicien, chef d'orchestre, j'enseigne également la musique flûtiste, donc la flûte et le clavecin essentiellement. Voilà, et maintenant donc, je dirige ce centre qui est aussi un autre genre de travail puisqu'il y a tout le côté administratif et relationnel. Et administratif également, les liens avec les professeurs. Lorsque nous avons fondé avec des amis l'association Les Fils du Tonnerre il y a 21 ans, ce n'était pas du tout l'objectif d'ouvrir évidemment un centre comme ceci. Sinon nous aurions été fort patients. En fait, au départ, c'était vraiment de promouvoir et de produire un ensemble qui s'appelle les Chantres de Saint-Hilaire, qui est devenu petit à petit, par la force des choses et avec les années, un ensemble professionnel, donc depuis 2010. Et parallèlement, j'ai été effectivement enseignant dans différentes structures écoles de musique, qui m'a permis d'essayer de faire des expériences pédagogiques collectives en essayant de défendre justement la musique ancienne, la musique baroque, et de fédérer autour de cet enseignement et également quelques collègues, des jeunes, parfois des très jeunes, 6-7 ans. On a commencé par monter différentes choses, puis également des stages d'été, différentes académies en chant grégorien, sur instruments anciens. Et c'est devenu, au bout de quelques années, une véritable, on va dire, entreprise pédagogique. Alors, entreprise dans le sens noble du terme, le fait d'entreprendre. Mais finalement, on n'a pas cherché tout ça. Et c'est ça qui est formidable. Il y a un orchestre qui est né, un orchestre amateur encadré par des pros, petit à petit. Il est né officiellement en décembre 2014. Il s'appelait à l'époque Orchestre Baroque Sud-Gironde, enfin Ensemble Musique Ancienne Sud-Gironde. Et puis nous avons été accueillis à Sauternes en 2017. On avait quelques cours de ci, de là, sporadiques. Et à Sauternes, ils nous ont dit, écoutez, voilà, installez-vous, fructifiez-vous, développez-vous. Et ça s'est fait toujours par des rencontres, sans jamais vraiment chercher. Et un jour... alors qu'on ne pouvait plus utiliser le local qu'on nous avait affecté, qui était vraiment très petit, donc c'était compliqué pour les cours. On avait de plus en plus de demandes. Et on tombe sur ce bâtiment, centre de musique, qui n'était pas le centre de musique ancienne, qui était une ancienne boulangerie à moitié effondrée, complètement délabrée, en ruine. Et on a retrouvé le propriétaire qui nous a dit « on fonce, refaites ». Alors il habite aux États-Unis, il est brésilien. Et restaurez l'intégralité, vous en jouirez pour ce que vous avez en tête. Nous, ce que nous avions en tête avec le conseil d'administration et mes collègues profs, c'était à ce moment-là, ce centre de musique ancienne, de vraiment fédérer des élèves, de fédérer aussi des adultes, des élèves adultes, et de développer tout ce que nous avions dans le cœur, dans les tripes, autour toujours de l'ensemble des chantres de Saint-Hilaire, qui est vraiment aussi la colonne vertébrale de cette action. Et c'est lui qui a financé justement la restauration du bâtiment. C'est lui qui a financé en très grande partie la restauration, effectivement. Alors nous, on a rajouté des choses parce qu'il fallait financer aussi tout ce qui était la mise aux normes sécurité. C'est un établissement recevant du public, un ERP comme on dit dans le jargon.
Donc, il fallait vraiment que ça soit aux normes handicapées, aux normes d'accessibilité, de sécurité incendie, etc., pour pouvoir recevoir correctement du public, puisque nos élèves vont de 3 à 82 ans. Parfait, parfait. Oui, donc dans ce cadre de Sauternes, qui est un cadre magique, qui finalement est connu mondialement, où donc en cette fraîche matinée d'automne, nous avons pu voir cette harmonie ambiante qui est, à mon avis, particulièrement favorable à l'éclosion d'une harmonie musicale, puisque toutes les harmonies se répondent, hein, comme disait le poète. Donc bravo pour cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous donner donc des dates de concert dans l'avenir proche avec vos élèves? Par exemple, les élèves que nous avons vus ce matin, qui sont déjà des amateurs éclairés, quel est leur prochain concert? Alors, le centre de musique ancienne, effectivement, est aussi dédié à la production de concerts, à la diffusion et de mettre en valeur, alors bien sûr, l'ensemble en résidence professionnelle, les chambres de Saint-Hilaire, mais également le travail qui est fait, on va dire, toute l'année et encadré par les professionnels et par les professeurs. Et depuis 2 ans, 3 ans, nous avons institué une journée complètement dédiée à la musique baroque, qui s'appelle Fête baroque à Sauternes, dans laquelle nous invitons aussi des artistes. Donc ça démarre à 9h le matin, ça se finit à 23h, avec des exposants luthiers, des facteurs, qui présentent leurs instruments, qui peuvent les vendre, avec une cantine baroque, avec des conférences, 4 concerts, des concerts dans différents châteaux. Donc on essaye d'envahir ou d'investir Sauternes. Et le soir, effectivement, il y a un grand concert final à l'église avec l'orchestre baroque Emmaüs, donc qui est vraiment l'émanation collective, le jeu collectif du centre. Ces amateurs, effectivement, déjà autonomes avec leur instrument, qui sont au moins en second cycle, encadrés par leurs professeurs. Et donc, ils vont jouer effectivement le 11 décembre au soir à 20h30. Il y aura entouré de quelques solistes, des solistes chanteurs, professionnels bien sûr, et d'un chœur également qui est constitué pour l'occasion. Parce que pour l'instant, le centre de musique ancienne n'a pas de chœur dédié. Ça viendra, ça fait partie peut-être des formes d'évolution, parce qu'il faut toujours avoir des idées pour faire justement chanter de la musique sacrée à grand effectif. C'est intéressant, il n'y a pas grand-chose ici, en tout cas en territoire rural, puisque c'est aussi ça qu'on veut faire. Voilà, ils joueront le 11 décembre, donc avec tout ce monde-là, de la très belle musique, très variée, au cœur de l'hiver. Et puis, en fin d'année, où il y aura un spectacle final qui sera début juillet, tout début juillet, le 2 juillet, il me semble, 1er ou 2 juillet, au Château Filliau. Parce que là, il faut beaucoup d'espace, alors c'est à moitié en extérieur. Là, effectivement, en essayant d'impliquer un peu toutes les classes, y compris les plus petits, dans des choses évidemment qu'on leur simplifie, mais qu'ils peuvent jouer avec les grands, puisque c'est cette émulation qui nous le pensons, entre professionnels et amateurs, entre jeunes et moins jeunes, entre ceux qui vraiment mènent leur instrument avec dextérité et ceux qui le mènent moins bien. Voilà, on essaye de les mêler, de faire qu'il y ait une cohésion les uns avec les autres, et on essaye de faire que qu'il y ait une véritable émulation collective. Donc, ce que je remarque dans votre exposé, c'est qu'en fait, vous contribuez à créer une espèce de biotope, de terreau sur lequel vont naître des vocations et sans doute des talents qui peuvent se révéler même surprenants, hein, parce que c'est par cette méthode, c'est pas en séparant la culture de la vie quotidienne qu'on peut arriver à maintenir nos traditions, notre identité, parce que tout ça contribue à notre identité qui est menacée sous toutes sortes de formes à notre époque. Et justement, notre but, dans le modeste média que nous animons, c'est de promouvoir justement ces identités profondes et qui sont
quelquefois en péril, mais là, nous voyons que là, pour le coup, elle n'est pas en péril, elle est en pleine croissance, en pleine effervescence, et ça ne peut que nous réjouir. Alors, effectivement, on essaye aussi de faire avec la... Oui, d'introduire, on va dire, la connaissance culturelle aussi. C'est-à-dire qu'il y a le jeu hein, musical, il y a le travail, on va dire, quotidien, parce que tous les jours, il y a des élèves, hein, sauf le dimanche, mais qui viennent. Donc, ils viennent dans un lieu qui, effectivement, comme vous l'avez dit, un terreau. C'est-à-dire que ça n'est pas complètement... voilà. Je pense aux élèves qui sont sur le clavecin, au clavier ou au piano, où ils sont assez isolés, finalement. Ils pourraient passer l'année à ne voir personne. Et en fait, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait vraiment cette histoire de terreau. Alors, ça ne veut pas dire... quels que soient les gens, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité dans ceux qui fréquentent le centre de musique ancienne, et c'est tant mieux. Et nous essayons de leur ouvrir un peu beaucoup, cet esprit à ce que les siècles passés, alors nous c'est vraiment voilà, du Moyen-Âge, Renaissance, baroque et classique, hein, mais donc je ne dénigre pas le reste, mais en tout cas il y a moins de propositions, je pense qu'on a vraiment une force là-dessus, c'est notre compétence, et il y a une attente et un désir. Donc on essaye vraiment de les mettre dans cette connaissance-là et de les insérer aussi dans cette vie, voilà, c'est pas juste une école où on vient, on part. Il y a une vie associative, il y a une vie sociale qui va faire naître ou pas des vocations. Ça, évidemment, je peux pas dire. Alors, ça peut. De toute façon, la vocation, elle est pas forcément devenir professionnel de la musique, même si on en a besoin aussi. Donc, il faut que ça se poursuive. Mais c'est aussi des vocations d'amour de ce savoir, de cette connaissance. Cultivée et transmise. Et pour nous, d'ailleurs, il y a une vraie tradition dans la musique baroque, il y a ce qu'on appelle la tradition orale, qui est très forte, c'est-à-dire qu'il y a des choses non écrites et qu'on ne peut pas apprendre derrière une partition tout seul ou sur Internet. Ou, voilà. Il faut la vivre dans l'orchestre, il faut la vivre avec le professeur. Il y a des groupes de musique de chambre, donc ils sont moins nombreux que ce que vous avez vu ce matin, ils sont 5, 4, 5, 6. Et ils vont essayer de la vivre ensemble, sous l'œil aiguisé d'un professeur, parce que c'est ces traditions orales qui se transmettent les uns après les autres. Ce que nous avons reçu, nous voulons le transmettre pour qu'après, effectivement, eux aussi soient des transmetteurs, des amoureux de la musique en général, parce que c'est vraiment ce vers quoi nous voulons les mener, et du jeu collectif. Parce que la musique, elle n'est bonne que si elle est partagée, vraiment. On n'est pas du tout dans l'idée que voilà que de faire des musiciens isolés. Maintenant, on n'est pas ici non plus dans l'idée de faire de tout le monde des musiciens professionnels. Loin de là. Mais nous avons d'ailleurs des amateurs qui sont de très bons amateurs et qui vont enrichir les autres. Parce que derrière tout ça, c'est un enrichissement mutuel. C'est de vivre pleinement ce que nous sommes en tant qu'hommes. Tout à fait. Donc, le Sauterne est vraiment, à mon avis, une image complémentaire parce que pour arriver à faire ce nectar, qui est le vin de Sauterne, c'est aussi la tradition, c'est la transmission de tradition, le partage, et qui est finalement irradie sur le monde entier. Donc, c'est ce que je vous souhaite de mieux, c'est d'irradier sur le monde entier que le centre de musique ancienne de Sauterne soit vraiment un lieu qui rayonne. Le plus possible. Je crois que pour finir, le logo de Sauterne, enfin le blason de Sauterne, c'est le jaune du soleil et du vin, et le vert du terroir. Voilà. Et ce jaune soleil, ben, pour nous, c'est une inspiration. Il faut qu'on soit solaire. Tout de suite. Oh, soit à votre justesse.